Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Ce soir, on fait ça avec le téléphone parce qu'il paraît que c'est plus pratique pour vous. Donc, on va essayer de faire ça avec le téléphone. Bonsoir Claire, bonsoir Isabelle, salut Nathalie. Bonsoir Équilibre Énergie. Salut Anaëlle, Alexia. Bonsoir à tous. Salut Yolande, fidèle au poste. Salut Emmanuel. Alors je sais qu'Emmanuel est là ce soir, mais qu'elle regarde un master de golf. C'est ça quand on est passionné par le golf. Ok. Alors ce que je vous propose sans plus attendre, je vais prendre vos questions, tout simplement. D'accord? Donc s'il y a des personnes qui ont des questions particulières, je vais les sélectionner par ordre d'arrivée, je vais essayer d'y répondre au mieux. Ok? Et je vais même faire un truc, c'est que je vais les noter. Ça va être plus simple. Alors, juste Francine, est-ce que tu peux me dire ce que tu entends par d'avoir plus de volume? Juste de préciser ça. Yolande, comment je vais? Petite forme aujourd'hui parce qu'un rhume. Et j'ai eu de gros voyages cette semaine. Et quand je reviens des voyages, c'est un petit peu compliqué. Je suis très fatigué. Mais c'était un voyage en plus fatigant. Mais des voyages intéressants, très intéressants. Je parlerai de ces voyages-là. Se relever après une lourde dépression. Ok, ça, j'aime bien ça. J'ai marqué. Ok. Après, comment peut-on faire pour se détacher d'une personne toxique. Ah, j'aime bien aussi ça. Hop. Comment se détacher? Je les note parce qu'après, c'est compliqué. Et voilà. Emmanuel, je t'écoute en même temps que. En même temps que je vois les birdies. Ok. Je trouve apaisant de regarder le golf, c'est apaisant. Voilà. Ouais, Mireille, t'as vu, hein, ma voix, on dirait la voix de Donald Duck, un peu. Alors, tu m'entends très mal? Est-ce que les autres, vous m'entendez mieux ou pas? Vous m'entendez bien ou pas? Comment rebondir après un burn-out? C'est un peu similaire à la question, je ferai une différence. Avec la dépression. Alors, que penser de la théorie polyvagale? J'aime beaucoup aussi la question, comment aider au tout début d'Alzheimer? J'ai des choses à partager là-dessus. Et d'ailleurs, je te recommande un bon bouquin. Je vais le prendre tout de suite. Voilà. Ce docteur-là, là. On va le polir à l'envers, mais c'est Dr. Del Bredesen. C'est un neurologue. Et en fait, c'est une personne qui a développé un protocole qui s'appelle RECODE. Et dans ce bouquin-là, on a des témoignages des personnes qui ont commencé à avoir des guérisons d'Alzheimer. Voilà. Ça, c'est plutôt intéressant et son protocole fonctionne super bien. Lui, il est neurologue et je crois qu'il est nutritionniste ou micro-nutritionniste, je sais plus. Et en fait, son livre, il est saisissant. Je pense que j'en ferai une fiche de lecture pour YouTube parce que j'ai commencé à faire ça. Et vous verrez, ça va sortir là dans la semaine, je pense.
Mais je trouvais ça très intéressant de voir qu'il y a des personnes qui ont commencé à avoir des rémissions sur Alzheimer. Donc, et c'est hyper bien documenté, c'est vachement bien fait. Et voilà, à cause de ma maman, je suis très branché à Alzheimer en ce moment. Et voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Maria, moi aussi, je suis ravi de te retrouver. Je suis en Israël, là, ce soir. Voilà. La semaine dernière, j'étais en Suède et ensuite j'étais en Russie. Voilà. En Russie, je suis allé participer au Salon de l'innovation. Je suis allé là-bas pour faire une présentation. Et c'était vraiment sympa. En fait, le Salon de l'innovation, ça se passe à Moscou. C'est un salon qui s'appelle Russie, en fait. En fait, il y a plusieurs républiques en Russie. Hein. Je crois qu'il y en a 22, 23 ou 24, je ne sais plus. Ok, mais par exemple, la Moldavie, c'est une république de Russie, la Tchétchénie, le Kazakhstan, tout ça, c'est des républiques de Russie. Et en fait, chaque république est là pour expliquer en fait quelles ont été les innovations de pointe. Alors, c'est un salon qui s'étend sur des kilomètres, c'est énorme, vraiment. Et si on veut faire ce salon, faut bon, y prendre plusieurs jours, faut au moins prendre 3 jours pour vraiment faire le salon. Maintenant, il est bien fait parce qu'en fait, le salon va se positionner sur les choses que vous aimez le plus. Par exemple, moi, je suis allé rencontrer les gens de chez Yandex, notamment, et puis VK. Alors, Yandex, c'est le Google russe en fait, mais plus que ça encore, parce que c'est vraiment une façon d'appréhender les choses un petit peu différente. Et ce qui m'intéressait énormément, c'est toutes les machine learning de Yandex. Ils ont développé des machine learning qui sont vraiment intéressantes en termes de e-learning, qui sont assez fabuleuses, hyper intuitives. Ils ont déjà intégré la dimension de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Est-ce bien le webinaire sur psychologie, neurosciences, coaching et Russie? Yes, c'est ça. Et je suis en train de parler de la Russie, justement. Alors, je suis pas pro-russe. Je vais être très clair dans ce domaine-là. Je n'ai pas d'affection particulière pour Vladimir Poutine. Par contre, c'est intéressant aussi d'avoir, parfois, de se rendre compte par soi-même de ce qui se passe là-bas, sur place. Il y a de ça 3 semaines, j'étais en Ukraine, donc c'est un autre son de cloche aussi. Donc, je vois sur place ce qui est en train de se passer. Bon, en Ukraine, soyons clairs, c'est un drama, c'est un drame, mais vraiment. La population, elle est meurtrie, elle est profondément touchée. Là-bas, ce sont vraiment des jeunes qui sont à l'université qui sont partis. Je suis allé dans deux universités. Il y a très peu de jeunes hommes, vraiment là. La plupart, sauf ceux qui sont très jeunes, mais la plupart d'entre eux sont partis sur le front. Et devant l'université, on voyait un immense panneau avec tous les jeunes qui étaient membres de l'université, qui étaient tombés sur le front. Donc c'est assez touchant quand on va dans les restaurants, où là j'étais dormir dans toujours Airbnb parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée ou qui n'a pas perdu un membre, un neveu. Et c'est assez triste, le pays est en très grande dépression. Les enfants en bas âge ont des grosses difficultés parce qu'en fait, les alertes à la roquette se font essentiellement la nuit. Donc, beaucoup de difficultés dans le sommeil. Enfin, c'est très, très compliqué. Ça, c'est l'Ukraine et j'ai été très triste en revenant d'Ukraine. Ça m'a beaucoup affecté. Et puis, c'est un peuple qui est pris en otage. Et il y a des choses qui sont inadmissibles, d'abord parce que la corruption, elle est assez importante. Malheureusement, en ce qui concerne la corruption des armes et de l'argent qu'on peut donner en Ukraine, une grande partie est détournée. Voilà. Je vais vous parler de la Russie. Alors, d'abord, à part deux, trois villes d'Ukraine,
J'aime bien la ville vive, une ville comme Lvov, j'aime beaucoup. C'est mignon, c'est ancien, machin. Mais par contre, je trouve la Russie très, 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 très beau. C'est un très beau pays. C'est un pays qui est propre, les gens sont propres. Soyons clairs aussi, c'est un pays sécure. C'est un pays incroyablement sécure. Voilà. Ce que je peux reprocher dans ce pays, c'est que bah, tout le monde ne parle pas anglais, alors que c'est un très grand pays. Donc ça, c'est compliqué parfois. Voilà, donc il faut avoir des bonnes notions en russe. Ça va, je me débrouille. Mais c'est vraiment important de... je trouve qu'il gagnerait à être plus centré sur des langues étrangères. Bien que dans certaines sphères, notamment des sphères intellectuelles, ils parlent tous couramment anglais ou américain. Alors, juste que vous sachiez que c'est que les restrictions, de mon point de vue, ça n'a rien changé sur place. OK? Si ce n'est nous handicaper, nous, encore plus, les Français ou les Européens. D'abord parce que quand, par exemple, les Américains ils disent on va retirer nos business là-bas sur place, et qu'ils demandent aux Européens de le faire, ce que nous avons fait, en fait, ce que les Français ont fait, il faut que vous sachiez que, par exemple, la France était un très grand fournisseur de voitures en Russie, parce qu'elle passait plutôt bien l'hiver. Donc, ils adoraient les Peugeot, les Citroën et les Renault, et ils en consommaient en masse. Okay? C'était le premier importateur de voitures en Russie, ils étaient français. Okay? Et les Russes appréciaient les voitures qu'ils considéraient comme vraiment de bonne qualité. Je vais mettre ça de côté, juste pour que vous compreniez que parfois, quand on veut mettre en place des restrictions sur quelque chose, il faut qu'on réfléchisse les conséquences à long terme. Okay? Parce que les restrictions, ceux qui les payent, c'est que ceux qui les font. En tout cas, celui qui est censé être touché, qui devait mettre un genou par terre en 3 mois, en termes d'économie, la Russie se porte très bien, le développement est très fort. Et par exemple, les Américains, ils n'ont pas vraiment joué le jeu. Vous voyez, par exemple, McDonald's qui devait retirer tous ses McDo, en fait, ils ont passé un sous-contrat et ils ont juste changé l'enseigne des McDo, qu'ils ont appelé M, ça veut dire Delicious. Mais c'est les mêmes McDo, c'est du Big Mac, les menus sont exactement les mêmes et c'est exactement le même fournisseur. Zara, c'est devenu Z. Ok, Topshop a changé de top, je crois. Alors, il y avait une enseigne qui était déjà présente avant, Apple. Et quand Apple a quitté, cette enseigne a récupéré, mais c'est une copie des Apple Store. Donc, franchement, un peu foutage de gueule parce que la restriction, aucune. Bon, quand Netflix il dit on n'est plus sur le marché russe, ça leur empêche pas de prendre les abonnements, en tout cas, et bah, tous les Russes ils ont des VPN, hein, tout simplement. Donc, ils ont accès à quasiment tout, sauf les films au cinéma. Mais du coup, en fait, ça a relancé une espèce de d'art interne chez les Russes, où, attention, les Russes, ils sont très patriotes. Moi, c'est quelque chose que je connais ici dans mon pays, il me semblait avoir connu quand j'étais plus jeune en France, mais que je connais de moins en moins. En tout cas, je vois pas un pays qui est patriote, et limite, parfois, quand on sort des drapeaux français, les personnes se font insulter. Donc, donc les Russes, ils sont derrière leur gouvernement. En plus, moi, j'étais là pendant cette période-là. C'était en pleine la période de soi-disant d'élection. Ok, autant vous dire que l'élection, elle était déjà, comme vous le savez, réglée bien avant. Hein. Voilà. Et ça, bah, ça change tout, en fait. Ça change tout. Donc, Poutine réélu, c'est pas une surprise. Donc voilà, je vais revenir sur les voitures parce que ça me semble super important de partager ça avec vous. Donc, on a arrêté de vendre des voitures qui étaient en manque à gagner énorme. Ça se compte par plusieurs centaines de millions d'euros par an. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la Chine, qui a commencé à se positionner sur des marques de voitures électriques et des voitures hybrides, a contacté les Russes en leur disant, bah, écoutez, nous, on a des voitures. On veut bien ouvrir un peu plus sur le marché russe. Et les Russes leur ont dit, écoutez, nous, on n'est pas contre, mais la qualité de vos voitures ne sont pas faites pour passer l'hiver russe. Et en fait,
Bah, les Chinois, ils ont changé tout leur cahier des charges et ils ont augmenté la qualité des voitures devant une promesse d'achat des voitures et une limitation d'embargo. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie s'est engagée sur les 10 ans à venir, on parle de 10 ans, d'accord, de faire venir en masse les voitures chinoises qui sont moins chères. Les voitures chinoises aussi, les Chinois ont installé plusieurs usines en Russie. Et en fait, on voit débarquer partout en Chine des marques de voitures, honnêtement, des voitures extrêmement luxueuses, moins chères que les voitures françaises, et d'une très très rare qualité, avec l'électronique embarquée. Et en fait, je discutais avec l'un de ces constructeurs qui était là-bas. Et qui me disait, mais vous savez, en fait, nous, ça nous a grandement aidés. Okay. C'est une marque qui s'appelle Omodo. C'est parce qu'en fait, on a amélioré la qualité de nos voitures. Et aujourd'hui, la qualité est tellement reconnue qu'on commence à ouvrir un tas de succursales partout en Europe. On en a ouvert en Suède, on en a ouvert partout. Et en fait, nos voitures s'arrachent comme des petits pains, en fait. Parce que les personnes qui sont, par exemple, vous savez, la Suède, c'est très proche de la Russie. Toutes les personnes qui sont limitrophes, les pays comme la Finlande, tout ça, en fait, eux, ils ont vu ce qui s'opérait, ce qui se passait, et du coup, ils ont commencé aussi à commander en masse des voitures chinoises. C'est-à-dire qu'en fait, on a limité une quantité énorme de chiffre d'affaires et on a favorisé des fournisseurs, et ça changera rien au problème. Ça changera rien au problème. Voilà. Maintenant, il faut aussi savoir que j'ai pas du tout envie d'être russe, mais pas du tout. Okay? En revanche, il y a des choses sur lesquelles bah, il faut dire que les mecs, ils ont quand même un coup d'avance. Vous savez, on en est aujourd'hui à se poser la question sur est-ce que l'intelligence artificielle, c'est bien, c'est pas bien. Bon, je veux juste que vous sachiez que dans les grandes villes de Russie, chaque semaine, dans chacune de ces villes, il y a à peu près 16 000 personnes dans chacune des villes. On parle de 16 000 personnes. Okay. Ils ont organisé les choses par corporation et chaque corporation va avoir une semaine d'apport de formation gratuit sur l'intelligence artificielle. D'accord? Comprenez un truc, c'est énorme. Et ils n'ont pas fait venir n'importe qui, ils ont fait venir les plus hauts dirigeants de chez OpenAI, par exemple, les gars de ChatGPT. Ils ont fait venir les gars de chez Midjourney, toutes les grosses intelligences artificielles sont hyper intégrées aujourd'hui et en fait, ils forment tout le peuple russe à l'intelligence artificielle. Donc, vous avez la corporation du textile, la corporation de l'automobile, vous avez la corporation de l'éducation. Ils ont tous été réunis par corporation et voilà maintenant, aujourd'hui, comment vous pouvez intégrer ces différentes intelligences artificielles et tout ça. Nonobstant le fait que les Russes ne sont pas les derniers en termes d'intelligence artificielle. Ils sont vraiment plutôt avancés. Voilà, quand vous utilisez tous Telegram, Telegram a été créé par un Russe. Donc, c'est juste important de comprendre cette dimension-là. En tout cas, un, les restrictions sont, de mon point de vue, servent à rien. Deux, ils s'étonnent tous du positionnement de la France vis-à-vis de ce conflit. Parce qu'ils disent, en fait, concrètement, la France, elle n'a rien à faire dans ce conflit-là. Et que y a un accord et tous, et c'est intéressant, bon alors il y a une logique de propagande derrière, c'est sûr, mais tous étaient capables de me dire, vous savez, il y a un accord qui a été signé qui n'a pas été respecté. Et que n'importe quelle entreprise qui signe un contrat qui ne le respecte pas, ou bien perd ce contrat, ou bien doit subir des dommages. Okay? Donc le contrat n'a pas été respecté, et comme les accords de Minsk n'ont pas été respectés, il va de soi que il fallait qu'on rentre en guerre. Enfin bref, ils comprennent pas aussi le positionnement de la France parce que dans l'histoire franco-russe est quand même très proche et en fait il y a toujours eu un très fort attachement entre les Russes et la France en termes de d'affection. Et là les Russes sont plutôt vexés de ce qui se passe avec les Français. Et ils comprennent pas cet acharnement de vouloir à tout prix passer par les armes, alors qu'en fait tout le monde devrait commencer par passer par la négociation. Et moi aussi, je suis surpris de voir ça, parce que c'est qu'aujourd'hui, alors les Chinois apparemment ont proposé un traité de paix la semaine dernière.
Je ne sais pas ce que ça va donner, dans quelle mesure ça peut rendre les choses intéressantes, mais je pense qu'il serait grand temps que ce monde voit fleurir des personnes qui soient beaucoup plus sages et qu'on considère que l'intérêt du peuple, du monde entier, est bien plus important que les querelles qu'on pourrait avoir. Voilà, enfin bref. Je sais aussi que je n'ai pas ni l'information ni l'intelligence de pouvoir me positionner là-dessus, et je ne suis pas un expert en géopolitique, mais de ma petite fenêtre à moi, je suis toujours triste de voir qu'il n'y en a aucun qui pousse en permanence pour avancer sur des négociations et se dire, venez, on arrête cette folie pure. Voilà. En tout cas, mon expérience russe, elle m'a amené à... D'abord, j'ai rencontré des gens incroyablement intelligents avec lesquels je collabore. Et c'était vraiment plaisant parce que dans mon domaine, hein, qui c'est la psychologie, tout ça, les neurosciences, les mecs, ils ont un univers d'avance, vraiment. Et les recherches là-bas sont assez hallucinantes. Voilà. Et au passage, ils ont collaboré beaucoup avec des usines privées d'Elon Musk. Donc c'est important de voir que parfois on a des Américains qui vont tenir un espèce de discours d'apparat pour dire non, mais surtout, faut arrêter le commerce avec les Russes. Mais tout le monde en fait du commerce. En tout cas, les Américains continuent à faire du commerce avec les Russes. Et en masse, je vous le dis, et en masse. Imposant à ce que la communauté européenne, elle, mette en place des restrictions, mais ceux qui payent le prix cher, eh ben, ce sont nous. C'est nous les contribuables. Voilà. Et puis, sinon, bah, j'aime cette ville parce que, une fois encore, je la trouve très, très belle. L'histoire, l'architecturale est très, très, très jolie. Je préfère Saint-Pétersbourg qui est légèrement plus petit, parce que la Moscou, c'est vraiment très, très grand pour le coup. Mais par contre, c'est beau de partout et c'est hyper actif, c'est hyper vivant. C'est une ville dans laquelle on peut facilement se sentir bien. Et moi, aujourd'hui, je trouve que l'indice de sécurité d'un pays est essentiel. Il faut juste que vous sachiez que, par exemple, aujourd'hui, la France, avec Paris, est devenue la ville, le pays le plus insécure de toute l'Europe. C'est pas normal, en fait. Donc ça, c'est pour moi un vecteur important. Je ne sais pas si vous le savez aussi, mais il existe aujourd'hui des normes dans les agences sur le niveau de sécurité des pays. Et selon ces normes, en fait, les brokers de voyage vont favoriser des pays plutôt que d'autres. Il faut juste savoir que bah, depuis un certain temps, compte tenu des niveaux de sécurité qui sont plutôt bas en France, eh bah, les indices poussent les personnes à aller plutôt dans des pays comme européens, comme l'Italie ou comme le Portugal ou encore comme le Danemark, plutôt que vers la France. Et c'est dommageable parce qu'une fois encore, eh bah, c'est le français qui paye le prix parce que le tourisme a toujours été une énorme manne pour le peuple français. Donc c'est important de s'interroger sur toutes ces choses-là. Et en tout cas, moi, ça m'interpelle. Je ne sais pas ce que ça génère chez vous. Je vois pas vos commentaires. Je vais regarder vos commentaires. Bertrand, il y a une tradition des pays de l'Est sur la psycho et les neurosciences longues. Sur quels axes sont-ils? Alors, ils sont très branchés neurosciences. Et ils sont branchés sur l'apprentissage et les machine learning. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit fleurir dans les universités et maintenant dans les écoles beaucoup plus tôt, beaucoup d'élèves commencent à travailler avec des tablettes déjà. Et ces tablettes, en fait, il va y avoir. Ils savent que, par exemple, l'élève, le soir, il va vouloir aller sur des réseaux sociaux ou sur des choses comme ça. Donc, ils ont rendu les choses très ludiques. En fait, ce qui est intéressant, les gars de chez Yandex ont un département complet sur la gamification. Et en fait, ils se disent que l'apprentissage aujourd'hui, c'était pas vrai avant. Ça, c'est un gros changement qu'ont apporté les réseaux sociaux avec le fait de pouvoir swiper sur l'information, tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, les Russes, ils sont hyper branchés sur les machine learning et la gamification, c'est-à-dire cette capacité de rendre un apprentissage hyper ludique. D'accord? Donc, par exemple, quand vous apprenez des leçons d'anglais à l'école, okay, ou de français, le soir vont s'ouvrir sur votre tablette des épisodes de, par exemple, une série américaine. Et l'épisode va s'arrêter tout seul. Et il va dire, voilà, il a dit telle phrase, tu l'as vu ce matin dans le cours. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que tu as compris? Que signifie ce mot-là? Et en fait, régulièrement, ils arrêtent quand il y a une grosse intrigue
Et quand ils, avant de donner l'intrigue, ils posent des questions. Et en fait, ils ont beaucoup travaillé aussi sur le lien entre la stimulation à travers les systèmes dopaminiques et la machine learning. Et je trouvais ça super intéressant. Alors, c'est super intéressant. Maintenant, c'est dangereux à certains égards, et ils le savent, notamment le fait de faire appel systématiquement à des systèmes dopaminiques pour booster l'intérêt des jeunes. C'est pas sans conséquence sur le long terme, ça ils le savent. Donc, ils essayent de faire des choses un petit peu plus ludiques. Et il y a aussi une chose que j'ai trouvée assez remarquable, c'est que il y a 700 écoles primaires test qui testent la pleine conscience. Par exemple, moi, j'ai pas mal travaillé ici avec un monsieur qui s'appelle Jerry Saada, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle AlphaMax. Et AlphaMax, en fait, a repris des travaux de Gordil Lozanov, OK, et qui était bulgare, je crois, de mémoire. Et en fait, les Russes ont repris tous les travaux de Lozanov sur l'apprentissage. Juste pour que vous le sachiez, Lozanov avait développé une méthode d'apprentissage des langues et il pouvait enseigner une langue, vous pouviez vous débrouiller avec une langue étrangère en seulement 10 jours. C'était phénoménal. Vous passiez un stage avec lui. Et il était en France en plus, hein, et il était à Sophia Antipolis. Et à l'époque où on a commencé à faire la chasse sorcière aux sectes, les grands pourvoyeurs de formation ont vu dans l'approche de Lozanov un méchant concurrent et ont considéré que c'était une secte. Donc, du coup, lui, il a quitté la France, il est parti. Mais les Russes ont repris, par exemple, l'intégralité de ses travaux, ce qu'a fait notamment Jerry Saada ici à travers AlphaMax et son apprentissage de langue. Et ils ont intégré des méditations de pleine conscience et les travaux de Lozanov, maintenant, de plus en plus, dans les écoles très tôt. Parce qu'en fait, ils ont compris que plus que des choses à apprendre à nos enfants, on a besoin de leur apprendre à apprendre. Et tu me posais la question, Bertrand, c'est quoi l'orientation? Pour les adultes, c'est vraiment la neuroscience est beaucoup centrée sur l'orientation anti-stress. Pour les enfants, l'apprentissage et le fait de savoir apprendre à apprendre. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, pendant mes études, il n'y a personne qui m'a dit voilà comment il faut apprendre en fait. Voilà. Il n'y a que en tant qu'adulte, et parce que je suis intéressé à tout ce qui était cognitif et les méthodes d'apprentissage, à l'andragogie, les systèmes d'apprentissage pour adultes, que j'ai compris que si aujourd'hui on parlait d'andragogie, la pédagogie, elle repose en tout cas dans la plupart des pays d'Europe sur des notions d'apprentissage qui sont du siècle dernier. Et aujourd'hui, on a plein de connaissances. Il y avait une personne un neuroscientifique qui avait essayé, qui avait tenté de mettre en place une réforme importante au sein de l'éducation nationale. Mais je dis tenter parce qu'on lui a répondu que ça va être très compliqué parce que l'éducation nationale, c'est comme la poste, c'est une vieille dame et à la faire bouger, c'est pas facile. Voilà. Tiens, je note ta question et après je réponds aux questions. Donc voilà pour mon expérience russe. Je souffre d'hypersomnie. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, maintenant je reprends les questions. Et voilà. Et dernière chose que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'à Moscou, vous commencez à avoir des petits robots là, qui partent, qui vont livrer, genre concurrent d'Amazon, parce qu'Amazon n'est plus là-bas non plus. Okay. Mais au passage, c'est la même infrastructure logistique, puisqu'ils travaillent avec une grande société logistique avec laquelle je bosse. Mais c'est intéressant de voir ces petits robots là qui se baladent comme ça dans la ville, qui vont s'arrêter en bas de chez vous. Vous recevez une notification et vous allez chercher votre colis. Et ils sont également hyper avancés sur les voitures autonomes. À 5 ans, ils ont vraiment pour l'envie de proposer de plus en plus de voitures autonomes et écologiques. Et il y a des grands calculs qui se font qu'une grande partie de la population pourrait carrément abandonner l'idée d'avoir un véhicule, tellement ça deviendra facile de sortir, de commander un véhicule et d'aller le prendre. Ça passerait par un abonnement mensuel. Voilà. Et cet abonnement mensuel, en fait, vous permettrait de prendre la voiture à chaque fois que vous en avez besoin. Ce qui serait plutôt pas mal.
Ok, alors je réponds à la première question, d'accord? La première question, c'était comment se relever après une dépression lourde? Alors ça, c'est important parce que se relever après une dépression lourde, c'est un processus. D'abord, c'est un processus qui demande du temps. Ok? Donc, quand on parle de dépression, et particulièrement de dépression lourde, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Si vous pensez ça, vous n'allez que faire que rester et ne pas progresser. Ok? Ça prend du temps et ça prend de la patience. Et je vous déconseille fortement de le faire seul. D'accord? Il faut vraiment avoir un soutien professionnel. Maintenant, ça passera toujours par des étapes qui sont communes. Et d'ailleurs, ça donnera aussi comment rebondir après un burn-out. La réponse sera sensiblement la même. Mais par exemple, d'abord, toujours, on ne change pas ce qu'on n'accepte pas. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. On ne change pas ce dont on n'a pas reconnaissance. D'accord? Reconnaître que l'on souffre, notamment reconnaître que l'on souffre de dépression, c'est la première étape, c'est l'étape la plus importante. Ensuite, on va pouvoir accepter que se rétablir, c'est un processus. Un processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça passe par des étapes spécifiques. Et écoutez bien, vous devez accepter la logique de progrès. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on sort d'une dépression lourde, je vous demande d'être centré sur tous les petits progrès que vous pouvez faire au quotidien pour vous améliorer. D'accord? Alors, quand je parle de soutien professionnel, bah, je vous invite à consulter un médecin ou un psychiatre, pour le coup, justement pour qu'on ait des médecins qui soient capables d'évaluer le besoin éventuel d'un traitement médicamenteux. Okay. Parce que qui dit dépression lourde dit aussi obligatoirement carence au niveau de la fabrication de certains neurotransmetteurs. Et seuls les médecins seront habilités à vous donner le test nécessaire et la médicamentation. Parce que pour le coup, quand on est allé dans une dépression lourde, les simples compléments alimentaires qui sont déjà efficaces, hein, qui sont attention, faut pas dévaluer les compléments alimentaires parce que c'est pas n'importe quoi et ça doit être pris avec le même sérieux que des médicaments. D'accord? C'est pas parce qu'ils n'ont pas passé les tests et rentrent dans d'autres catégories que les compléments alimentaires sont sans effet secondaire. Ou bien dans leur prise en trop, ou bien dans leur prise en moins. Ok? Donc ça, c'est important. Donc un médecin et un médecin psychiatre, je recommande une psychothérapie. Ok? Franchement, la meilleure, celle qui a marqué le plus son mode de fonctionnement à travers son niveau de réussite, ce sont les TCC, okay, les thérapies cognitivo-comportementales, parce que c'est celles qui ont fait leur preuve dans le traitement de la dépression et celles qui fonctionnent le mieux. Par exemple, une des très grandes sources de ma formation de coach, c'est justement également les TCC. Okay. J'ai emprunté aux TCC à peu près, on va dire, une bonne dizaine d'outils hyper efficace que l'on peut utiliser pas simplement dans le cadre d'un système dépressif, mais par exemple dans l'accompagnement de systèmes qui vont être des systèmes anxieux. Okay? Après, quand on veut sortir d'une dépression, il faut vraiment qu'on ait une vraie stratégie. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez sortir de votre dépression, vous devez mettre en place et adopter des habitudes de vie qui sont saines. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, j'en parlerai jamais assez, mais chaque jour où vous n'avez pas une activité physique régulière, c'est une journée de perdue. Et puis naturellement, un sommeil qui soit suffisant et réparateur. D'accord? Autre chose par rapport à ça. Quand je parle d'activité physique régulière, je veux juste que vous sachiez que les derniers chiffres montrent que la sédentarité, hein, tue près de entre 40 et 45 000 personnes par an en France, rien qu'en France. D'accord? Beaucoup plus que le corona. Et on parle de la sédentarité, c'est-à-dire cette capacité que j'ai de ne pas avoir d'activité physique du tout. Qui dit activité physique ne veut pas obligatoirement dire
Sport intensif, activité physique, ça veut dire je bouge mon cucu, j'augmente un petit peu mon cardio et j'y vais en progression. La marche nordique, par exemple, est extrêmement recommandée pour les personnes qui sortent de dépression. Okay. Autre chose, mettez en place ce qu'on appelle, nous, chez nous, un peak group, tu vois, une communauté de soutien. D'accord ? C'est important de se rapprocher des personnes qu'on aime, de se rapprocher de sa famille, de ses amis, et puis aussi de rejoindre des groupes qui peuvent être aussi des groupes de soutien professionnel. Il n'y a rien de pire pour une personne qui est en dépression, qui sort de dépression, de continuer à rester isolée. Il n'y a rien de pire. C'est contre-productif et c'est la plupart du temps permettre à la personne de rester dans sa dépression alors qu'elle veut en sortir. Autre chose, on se fixe des objectifs très clairs. D'accord ? Des petits objectifs. J'ai envie de dire des petits objectifs de tous les jours. Ok ? Le but, c'est de retrouver un sentiment d'accomplissement. C'est de se dire, ok, je me suis fixé un petit objectif. Même si c'est d'aller chercher le courrier à la poste, même si c'est d'aller voter, même si c'est d'aller faire une petite marche d'un kilomètre ou deux, alors que je ne le faisais pas avant, c'est une victoire. D'accord ? On reprend des activités qui nous faisaient plaisir et surtout, on essaie de découvrir des nouvelles activités, tout le temps. Le but, c'est qu'on arrive à restimuler une partie de notre cerveau qui a été oubliée, c'est la partie qui est responsable de la récompense. D'accord ? Après, faites la chasse aux pensées négatives. Alors, je vais vous donner un exercice que vous pouvez mettre en place. Ça peut paraître un peu sadique, mais ça repose sur la connaissance fine du mode de fonctionnement du cerveau. Ok, si je vous dis, voilà, vous avez déjà mis la main sur une plaque électrique, incandescente, ou du feu. Logiquement, vous l'avez fait qu'une fois. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de vous qui va vous dire, hey guys, arrête tes conneries, ça quant à ça, c'est de la douleur. Donc, tout de suite, la douleur, elle est enregistrée et tout de suite, la douleur, elle va être mémorisée. D'accord ? Donc ça, c'est super important parce que, en fait, notre cerveau est équipé pour ce qui nous fait mal ou ce qui est dangereux, de le mettre tout de suite dans la mémoire à long terme. Quand on a une pensée négative, ok, on n'a pas ce réflexe de lui associer la notion de douleur. Et c'est le plus grand tort qu'on devrait avoir. Donc, et là, je tiens ça d'un prof d'université qui était très sympa, qui disait, voilà, vous allez prendre un élastique que vous serrez, ok ? Et chaque fois que vous vous surprenez à voir une pensée négative, il tapait. Ce monsieur était spécialisé en addictologie, d'accord ? Il tirait l'élastique et on l'a claqué, juste pour que ça claque et que ça fasse suffisamment mal. Pourquoi ? Pour que, à travers un système qu'on appelle le renforcement neuro-associatif, okay, qu'on associe le fait de penser à certaines choses à quelque chose de douloureux. Et à ce moment-là, le cerveau va commencer à développer des stratégies d'évitement pour ne pas penser à ces pensées-là. Et curieusement, ça marche super bien. J'ai une amie et un ami avec lequel je bosse de temps en temps. Une fois toutes les deux semaines, j'ai une réunion thérapeutique, c'est-à-dire que on accompagne des personnes qui sont en période de sevrage ou qui sortent d'une cure ou qui sont même en cure pour certains d'entre eux. Et en fait, c'est important d'avoir deux thérapeutes. C'est l'approche thérapeutique qui a été développée ici en Israël. Et j'ai trouvé ça, c'est un exercice de style hyper intéressant. Et c'est de cette expérience-là que j'ai sorti ma formation Stop Addict. D'accord ? Et en fait, ça, c'est un exercice que on propose assez régulièrement aux personnes qui, dès qu'ils vont penser au produit avec une certaine forme ou de nostalgie, ou d'envie, ou de désir, ou de peur, plac, on claque. Okay, juste, on associe douleur et pensée. Et curieusement, ça marche plutôt pas mal. D'accord ? Et puis, soyez vigilants. Vous savez, c'est intéressant, c'est que pour moi, l'un des groupements les plus exceptionnels de transformation, ça a toujours été les alcooliques anonymes. Quand on voit les résultats qu'ils ont obtenus
et la façon dont ils ont opéré, c'est génial. Mais par contre, il y a un truc qui est fabuleux, c'est que une personne 20 ans plus tard, une personne qui a suivi les alcooliques anonymes, après 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la personne, elle vous dit « je suis alcoolique ». Et là, tu as envie de dire « mais non, tu peux pas dire ça, on est... si tu dis ça, tu vas le rester ». Pardon. Mais en fait, si cette personne, elle dit ça, ça va revenir. C'est un sacré, je vous le dis. Et heureusement qu'on n'est pas ensemble dans la même pièce, hein, parce que vous seriez tous partis qu'un rhume. Mais en fait, si ces personnes se présentent en tant qu'alcooliques, c'est qu'ils savent que la vigilance doit être de mise. Et ça doit être pareil pour tous les problèmes qu'on a eus, qui sont des problèmes psychologiques ou addictifs, peu importe. Il faut qu'ils considèrent que, oui, on en est sorti, mais on vit dans un monde de tentation, on vit dans un monde de frustration, d'anxiété, et ça, là, ça peut vraiment poser problème. Donc vraiment, je vous invite à essayer d'envisager, de dire, ok, si demain ça se reproduit, je fais quoi, en fait? Voilà, c'est ça le truc. Si demain ça se reproduit, je fais quoi? Et ça devrait bien marcher. Est-ce que j'étais clair pour tout le monde? Ouais, t'as raison, les livres, ils vont tomber. C'est clair pour vous? T'as raison, Blandine. La méthode EA, ça a été déclamé partout, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, on a eu les sex addicts anonymes, et ça marche super bien parce qu'en fait, la méthodologie, elle est vraiment fabuleuse. Voilà. Super. Alors, si vous me permettez, on va reprendre la deuxième question qui était... Comment se... Ok. Se détacher d'une personne toxique, en fait... comment je vais vous dire ça? D'abord, c'est une démarche qui doit être une démarche consciente. C'est une démarche qui doit être structurée. Ok? Et qui, comme toute démarche de transformation, passera par des étapes spécifiques. Et la première, ça revient à la notion de reconnaissance du problème tout à l'heure, mais c'est différent. La première, ça va être vraiment ce qu'on appelle l'identification. On va identifier les comportements toxiques et reconnaître leur impact négatif sur votre vie. C'était intéressant parce qu'hier soir, en fait, je tournais un podcast audio. Sachez que prochainement, vous aurez un podcast audio, des podcasts audio David Lefrançois qui seront proposés sur tous les spots. Et justement, hier, c'était sur la notion de toxicité, mais de nos parents. Parce que oui, curieusement parfois, et ça va vous étonner ou pas, mais il y a des personnes qui peuvent vraiment être toxiques et ce sont nos parents en fait. D'accord. Donc c'est d'abord important d'identifier, ok, c'est quoi les comportements toxiques et reconnaître leur impact négatif sur votre vie. Et attention, parce que quand on parle de toxicité, un jour il faudrait que je m'arrête là-dessus, ça prendra peut-être une soirée, on pourra faire une soirée là-dessus d'ailleurs si vous intéresse. Mais d'ailleurs... Je vais donner une conférence à Paris dans 2 mois. Et la conférence sera sur les gens, les personnes toxiques et les pervers. Mais faites attention avec les personnes toxiques parce que parfois, les personnes toxiques, en fait, elles vont avoir des travers. Par exemple, il y a des personnes qui vont se positionner en victime et qui vont dire ouais, « l'autre, il a fait un truc irréparable sur moi, il a fait quelque chose ». Et en fait, méfiez-vous aussi parce que les victimes sont les... Pardon. Les personnes toxiques ne sont pas obligatoirement des personnes avec un modèle pervers extraverti, mais on peut avoir un modèle pervers victimisant. D'accord ? C'est-à-dire que la personne va se positionner en victime, la pauvre petite victime qui est toute gentille, elle est très gentille, et puis l'autre, c'est un vrai grand méchant, en fait, en vrai. Et le problème... c'est qu'à chaque fois qu'on a une personne qui se positionne avec ce profil-là, quasiment tout l'entourage plonge. D'accord ? Parce qu'on va se dire, ben non, cette personne, elle est gentille, c'est pas elle qui peut être le pervers. Bah, écoutez-moi bien, je peux vous garantir que des personnes comme ça, moi, dans ma vie, j'en ai... D'abord, dans ma vie perso, j'en ai rencontré pas mal.
Okay? Et en tant que professionnel, j'en ai rencontré plein qui, sous des travers de gentillesse ou des travers de bonté, ou sont en fait de vrais manipulateurs ou de vraies manipulatrices. Elles vont attirer l'attention sur la victimisation et sur un drama qu'ils ont eu dans leur vie, qui souvent est faux aussi. Ça aussi, c'est important. Et juste parce qu'en fait, elles ont découvert que finalement, d'être une victime, ça permettait de justifier des attentions que les autres pouvaient leur porter. Okay? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et que ces mêmes personnes, en fait, qui se présentent comme des victimes, sont parfois des vrais pervers en puissance. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Okay? Donc, identifiez bien les comportements toxiques et surtout, regardez les impacts négatifs que ça a sur votre vie. On va identifier les comportements toxiques et on va reconnaître les impacts négatifs. Ok, c'est quoi le comportement et en quoi ça m'affecte? D'accord? Et ensuite, je vous invite à vous amuser, et je pèse mes mots quand je dis vous amuser, à évaluer le niveau de toxicité et la nécessité de se détacher. D'accord? Par exemple, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant c'est un comportement ultra over toxique pour moi. 0 étant je m'en fous, ou 1 je m'en fous. Ok? On va mesurer ça sur une échelle de 0 à 10, et ensuite la nécessité de se détacher. Parce que parfois, on va avoir des personnes qui sont toxiques, et puis on s'en fout d'être attaché à elles parce que finalement, on est capable de les mettre à distance, on est capable de ne pas se laisser embarquer. D'accord? Mais c'est hyper important de prendre conscience de ses propres besoins, de ses propres limites. Mais pour ça, il faut que vous fassiez une évaluation. À partir de quand un comportement, il devient toxique, inacceptable? Ok? Je vais vous dire un truc. Nos enfants, nos parents, nos amis, on a tous des comportements qui peuvent être à certains égards toxiques pour une personne. Et parfois, ce n'est pas votre intention d'être toxique, mais parce que votre intention et son intention n'est pas la même. Elle peut considérer, avoir une grille de lecture qui va considérer que ce que vous avez fait, c'est toxique et que vous êtes une personne toxique. D'accord? Maintenant, ça lui appartient, mais elle peut le considérer. Donc, c'est important de savoir finalement dans votre vie à partir de quand un comportement, il devient toxique au point d'être inacceptable. D'accord? Ça, c'est super important. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, et une seule fois qu'on a fait ce travail-là, on peut rentrer dans de la planification, c'est-à-dire que là, on va mettre en place un plan d'action qui peut inclure bah, d'abord de réduire les interactions avec la dite personne, d'accord? Et puis, la capacité de fixer des limites claires avec elle. Okay, donc là, je veux dire, voilà, ça, à partir de maintenant, cette personne, je la voyais tous les jours. Mais vous savez, parfois, regardez comment on est enfermé dans des relations. Parce que sous prétexte que cette personne, c'est un ami ou une amie d'enfance, ou c'est une personne qui a été gentille, ou qui a été présente, qui était là quand on en avait besoin, on va accepter des choses qu'en vrai, on n'aurait pas acceptées déjà. Donc c'est juste important de comprendre cette dimension-là, et c'est juste important de comprendre qu'à un moment donné, c'est important de dire, OK, jusqu'à quand c'est inacceptable? Okay? Et à partir de ce moment-là, c'est quoi la distance que je prends avec la personne toxique? Parce que quoi qu'il arrive, ça passera par prendre de la distance. Okay? Ensuite, je vous invite à limiter les contacts. Okay? On limite les contacts physiques, les contacts virtuels, les réseaux sociaux, les messages, les appels, des trucs comme ça, avec une personne toxique. Tant que vous lui donnez de l'attention, vous alimentez son pouvoir de perversion. Okay? Rappelez-vous que la personne, elle est toxique parce qu'elle a une dimension perverse. Et la dimension perverse, le pervers, c'est quoi? Ou la pervers? C'est une personne dont le mode de fonctionnement, c'est de vous pomper votre énergie, de prendre votre énergie à vous. Elle peut prendre l'énergie d'une personne, elle peut prendre l'énergie d'un groupe. Souvent, les personnes qui, par exemple, vont se positionner en victime et vont solliciter l'avis de groupe pour jouer cette victime-là, justement, pour attirer l'attention sur elle, être sûr qu'elle est au centre de l'attention, elle a pris de l'énergie. Cette énergie, en fait, chez la personne perverse, c'est ce qui lui permet d'exister, en fait. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, on va limiter les contacts. Après, on rentre dans un soutien émotionnel. Ça veut dire quoi?
on va chercher du soutien auprès de d'autres personnes qui ne sont pas toxiques, naturellement. Okay? Et des personnes en qui on a pleine confiance, à qui on peut parler, à qui on peut échanger, et avec lesquelles on peut recevoir des avis qui sont intelligents. Et le cas échéant, on peut aussi en parler avec des professionnels. Il faudra faire, quoi qu'il arrive, un travail sur le renforcement de soi. D'accord ? Les pervers, ils n'attaquent pas n'importe qui. Les pervers, ils continuent de pervertir tant que vous les laissez vous pervertir. D'accord ? Donc, je vais juste vous rappeler un truc, c'est qu'à partir du moment où vous augmentez votre niveau d'estime de soi, ces petits jeux s'arrêtent. Notez bien ce que je suis en train de vous dire. Augmentez votre estime de soi, ce petit jeu s'arrête. Et c'est important de faire la distinction entre l'estime de soi et la confiance. La confiance, c'est vraiment... la confiance dans la capacité de faire les choses. La confiance, c'est dans le savoir-faire. L'estime de soi, c'est du dimension du savoir-être. D'accord ? Donc, c'est important de vous dire que là, à ce moment-là, c'est que vous devez augmenter votre niveau d'estime de soi. Par exemple, dès le deuxième mois de formation chez moi, dans mon école de coaching, la première des choses qu'on apprend, c'est l'estime de soi, son mode de fonctionnement, par quoi c'est composé, okay, quelles sont les techniques qui permettent de renforcer l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi, qui sont les piliers de l'estime de soi. Et c'est le truc le plus important. C'est-à-dire qu'on va avoir toute la logique de procédure, de posture motivationnelle du coach vis-à-vis de son client. Et tout de suite, on travaille sur l'estime de soi. Parce que vous pouvez être sûr que chaque fois que vous travaillerez avec quelqu'un, il y aura toujours un problème quelque part en termes d'estime de soi. Et cette estime de soi, elle peut être globale. Dans ces cas-là, j'ai besoin de travailler sur l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Mais parfois, il y a une personne qui va avoir un bon niveau d'amour de soi, mais pas de confiance. Ça peut sembler bizarre, mais c'est comme ça. Ou la personne semble, elle présente bien, elle semblerait qu'elle ait confiance en elle, et pourtant elle s'aime pas. Et son image d'elle n'est pas bonne, d'accord ? Et voilà, et du coup, comme son image d'elle n'est pas bonne, plus, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Et on retrouve ça chez les gens toxiques. Plus une personne se déteste, plus elle se trouvera des personnes à détester. Notez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est essentiel. Plus une personne se déteste intérieurement, plus elle va se trouver et s'inventer des bourreaux extérieurs à détester. Et à chaque fois, elle n'essaiera pas d'y aller toute seule, parce que c'est une pervers. Donc, si cette personne est une pervers ou un pervers, elle va s'assurer qu'on embarque avec sa vision du monde. D'accord ? Donc, faites très attention à ça. Chaque fois que vous avez des personnes qui sont dans une grosse victimisation, avant de rentrer dans le truc, hein, rappelez-vous du triangle de Cartman, hein, sauveur, victime, persécuteur, eh ben, quand une personne elle est victime, posez-vous la question, est-ce que c'est une vraie victime ou est-ce que ce n'est pas un persécuteur caché ? Parce que ça, c'est... Il n'y a rien de plus facile pour un persécuteur de se cacher derrière le rôle de la victime et dire que l'autre, c'est un bourreau. Alors que son comportement est peut-être déjà un comportement de bourreau ou de persécuteur. Donc, posez-vous la question, si cette personne, elle rentre en communication à travers un mode de victimisation comme celui-ci, déjà, ça peut être des signaux d'alerte. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler vraiment, vraiment cette estime de soi. Et puis ensuite, mettez en place de nouvelles relations, quoi, merde, d'accord ? Et vous savez, on doit considérer qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'entourer de gens négatifs, de s'entourer de gens toxiques. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la patience, et puis je n'ai pas du tout l'envie. Les personnes qui m'entourent aujourd'hui sont des personnes qui sont des personnes positives, qui sont soutenantes, qui sont compréhensibles. Vous savez, moi j'appelle ça le syndrome de Facebook, où les personnes... Facebook, ça s'est vachement bien vendu, parce qu'en fait, on vous a dit que bah, vous étiez amis. Bah, vous n'êtes pas du tout amis, en fait. Okay ? Vous êtes juste un point de relation potentiel. Potentiel. Et encore, dans les limites qui vont du zéro à l'infini. Mais ce positionnement a fait que
beaucoup de personnes vont se positionner comme des amis ou comme des frères, mais dans leur comportement, ils ne le sont pas du tout. Okay? Donc là aussi, c'est important de comprendre que quand vous allez mettre en place de nouvelles relations, eh bien, évitez des nouvelles relations qui sont superficielles, qui potentiellement, parce qu'elles sont superficielles, rentreront dans la carte du toxique assez facilement. D'accord ? Je vais vous dire un truc, vaut mieux avoir 2-3 amis dans sa vie, mais des amis sur lesquels vous pouvez compter. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai un ami qui s'appelle Paul. Paul, je sais que si je quitte là l'appel et que je l'appelle ce soir, si j'ai quoi que ce soit, peu importe ce qu'il fait, peu importe où il est, le temps de venir, il sera là. Et je ferai exactement la même chose pour lui. À la vie, à la mort. Ça, c'est une véritable amitié. Et c'est pour ça que c'est une amitié qui dure depuis plus de 35 ans. D'accord ? Et moi, Paul, je l'aime d'amour. Je vais être très clair, je l'aime plus que certains membres de ma famille. D'accord ? Parce que lui, je l'ai choisi. Paul, si je vous faisais écouter les messages d'amour qu'il m'envoie, on dirait que je suis sa nana, tu vois. Mais on s'envoie que des mots d'amour. Et c'est vachement sympa d'avoir ça dans notre vie. Juste de savoir qu'il est présent, c'est super génial. Donc, quand vous allez mettre en place de nouvelles relations, mettez des nouvelles relations avec des gens qui sont solides, qui sont dans votre camp, qui vous aiment pour ce que vous êtes, qui vous apprécient pour ce que vous êtes, qui comprennent que vous n'êtes pas une personne parfaite, que eux non plus, et que apprécier l'autre, c'est vraiment l'apprécier à travers ses qualités, et puis comprendre que, eh ben, comme tout être humain, il a des défauts, et c'est OK. C'est OK. Vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de zone d'ombre. J'adore l'approche de Jung dans ce domaine parce que ça explique tellement de choses. Et ça permet de mettre aussi beaucoup de distance par rapport à ce qu'on vit soi, par rapport à ce qu'on vit, ce que vivent les autres, et puis parfois, par rapport à ce que les autres veulent qu'on vive. OK ? Au passage, je sortirai un super programme là prochainement. Comme ça, c'est un bon teasing. Mais les zones d'ombre, en fait, elles vous permettent de vous réhabiliter vous-même avec vous-même, d'apprendre à vous aimer concrètement pour ce que vous êtes. Pas pour ce que vous voulez paraître, mais pour ce que vous êtes. Un vrai travail sur les zones d'ombre, ça vous permet justement de faire la paix aussi avec votre passé, avec vos difficultés, avec les schismes que vous avez vécus. Et ce travail-là, il permet une transformation juste exceptionnelle. Vraiment. Pour moi, le plus grand travail de développement personnel, c'est un travail sur l'ombre. Mais indéniablement. Et naturellement, ça demandera de la consistance. Okay. La consistance, ça veut dire, voilà, j'ai fixé des limites avec cette personne. Et bah, même si la personne, elle est gentille, même si elle revient, même si elle a retiré son poste, bah non, quoi. Non, non, non. Il y a des limites qui sont très, très claires. Et voilà, tu vas jusqu'au bout des démarches que tu avais engagées. Okay. Et même si la personne toxique tente de revenir ou de s'excuser, ou bien, les limites qui sont posées sont les limites qui sont posées. Et vous devez apprendre une chose, c'est que dans la vie des personnes qui sont autour de vous, je l'ai dit déjà dans un post Instagram, mais je vais le répéter, il faut que les personnes apprennent à travers votre comportement que quand vous leur donnez une deuxième chance, c'est une dernière chance. C'est pas, ils n'ont pas le droit à une troisième, quatrième, cinquième chance. Parce qu'il y a des personnes, moi je connais même des personnes très proches de moi, très très proches, je leur ai vu donner une, deux, trois, quatre, cinq, dix chances. Et à un moment donné, c'est quand tu vas comprendre que la personne, là, elle est profondément toxique pour toi. Et que finalement, elle te met dans des états internes de merde et que bah, on a autre chose à faire, quoi, dans la vie. OK ? Et enfin, vous devrez accepter tout ce processus parce que même les personnes toxiques peuvent être hyper attachantes. Et souvent, elles le sont. Elles le sont. C'est ce qui rend le processus un petit peu plus compliqué. Donc, il faut accepter que la séparation peut être difficile et que ça va certainement susciter parfois de la culpabilité ou un peu de tristesse. Mais rappelez-vous que cette démarche, elle est là pour instaurer un bien-être, le vôtre, sur le long terme. Et ça, c'est super important. Je suis clair ? Dites-moi si j'étais clair. Alexis, même si la personne, elle fait teshuva, une fois encore, vous savez,
On peut pardonner aux gens, il n'y a pas de problème. Mais pardonner, ça ne veut pas dire excuser. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça ne veut pas dire bah, j'abandonne toute forme de démarche. Et pardonner, ça ne veut pas dire je vais revenir au même niveau de relation qu'on avait avant. Pardonner, c'est de dire ok, j'accepte que tu puisses avoir changé, mais je n'ai aucune obligation de revenir dans la relation, quoi. Et si la personne, elle fait teshuva, comme tu dis, hein, chez nous, dans notre tradition, faire teshuva, c'est vraiment faire amende honorable, bah tant mieux pour toi, quoi. Mais je n'ai pas d'obligation à me remettre dans une relation équivalente à celle que nous avions avant, tout simplement. Voilà. J'espère que je suis clair quand je t'exprime ça. Et c'est pas la méchanceté, c'est juste que... on a fixé des limites, on a avancé sur le sujet, et moi, t'es une personne que je veux plus avoir dans ma vie, en fait. Voilà. Et ok, t'as changé, t'as mis en place un processus de changement, je suis content pour toi, tant mieux. Mais pour autant, je n'ai aucune obligation à te faire revenir dans ma vie. Voilà, tout simplement. Alors, que pensez-vous de la théorie polyvagale ? Alors d'abord, on va parler d'un monsieur qui s'appelle Stéphane Porges. Et en fait, la théorie polyvagale, c'est un cadre. D'abord, c'est ce qu'on appelle un cadre théorique qui propose une mécanique. Comment je vais expliquer ça ? Ça propose une mécanique à travers laquelle le système nerveux autonome, okay, qui régit toutes les réactions de nos corps, dès qu'on a une situation de stress ou de danger, notre système nerveux autonome va s'activer. Système nerveux autonome sympathique, tout s'accélère, parasympathique, ça calme. D'accord ? Donc, on va avoir, quand on a des situations de stress, on va avoir donc notre système nerveux autonome qui va s'activer. Et on a tout un processus qu'on appelle de régulation émotionnelle et de régulation sociale, c'est-à-dire la façon dont je vais vivre mes émotions, la façon dont je vais me comporter, ok, qui vont être mis en œuvre, ok. Quand on parle de la théorie polyvagale, ok, d'abord polyvagale, ça vient du nerf vague, d'accord. Ça c'est hyper hyper over important. C'est né dans les années 90-95, si ma mémoire est bonne. Okay. Et selon cette théorie, la théorie polyvagale, le système nerveux, il va être constitué de plusieurs composants. Okay. Je vous l'ai dit, la branche sympathique et la branche parasympathique. La branche parasympathique, elle va être divisée elle-même sous deux sous-systèmes. Okay. Le vieux vagal, okay, qui peut provoquer, donc le nerf vague, hein, qui peut provoquer un état de gel en réponse à une menace externe, et le nouveau vagal, okay, qui est associé au comportement social et justement à l'autorégulation. Donc, le nouveau vagal va être associé à ce que Stéphane Porges il appelle le système nerveux social, qui va être activé dans des environnements qui sont sûrs, où la communication avec l'autre, puis avec soi, elle est possible. D'accord ? Donc l'activation de ce système-là, du nouveau vagal en fait, va favoriser la détente, la digestion, la croissance et la guérison. Il joue aussi un rôle hyper important dans le comportement social et dans la régulation des émotions. Et c'est ça qui va permettre justement aux individus d'interagir de manière plutôt efficace et de s'adapter à leur environnement. Okay ? Donc, il y a un truc qui est sympa dans cette théorie polyvagale, ok, c'est l'accent qui est mis sur la façon dont notre physiologie et en particulier notre système nerveux en fait façonne nos expériences, qu'on va dire, voilà, on est connecté avec la chose et on peut la faire en se sentant en sécurité, d'accord. Et ça a des implications pour comprendre justement et traiter plein de problèmes qui sont liés au stress et au traumatisme. Et on peut améliorer les compétences sociales, on peut améliorer la communication.
En fait, il faut savoir que la théorie polyvagale, elle a été appliquée au tout début dans plein de pratiques cliniques. La psychothérapie, on commence un peu à la voir. Moi, j'en parle dans ma formation de coach. Mais par exemple, ici, là, j'ai vu le travail qui est fait avec les soldats sur le travail sur le stress post-traumatique. Et ils utilisent des théories polyvagales. Et ils ont utilisé une deuxième chose qui favorise justement la mise en position du système nerveux parasympathique, c'est la cohérence cardiaque. Okay? Alors, faut quand même dire une chose, c'est que même si tout le monde commence à en parler comme l'explosion du siècle, okay, cette théorie, elle est quand même énormément débattue et elle fait parfois l'objet de recherches qui sont quand même contradictoires. Okay? Donc, mais surtout aujourd'hui, on voit des personnes qui ne sont pas du tout des spécialistes parler de la théorie polyvagale comme s'ils la maîtrisaient, comme s'ils la faisaient, comme s'ils la comprenaient. C'est compliqué parce qu'en fait, avant de pouvoir vraiment utiliser la théorie polyvagale, il faut avoir une vraie grosse, très grosse formation dans le domaine. Il faut aussi avoir des formations médicales parce que c'est pas parce qu'on travaille. Quand on travaille avec la théorie polyvagale, c'est qu'on va travailler sur des personnes qui sont dans des dispositions émotionnelles particulières. Et on n'est jamais à l'abri d'une décompensation émotionnelle. Maintenant, je mets au défi quiconque qui prétend connaître la théorie polyvagale d'apprendre à gérer une décompensation psychologique s'il n'en a pas ni fait l'expérience, ni a obtenu des informations dans le domaine. D'accord? Donc la théorie polyvagale, elle est intéressante. Maintenant, ce que je vois plein de choses sur Instagram ou sur TikTok, les personnes qui ont dit on va utiliser la théorie polyvagale pour vous faire réussir dans votre vie. Écoutez, barrez-vous quand vous entendez ce genre de choses parce que c'est vraiment complètement à côté de la plaque, quoi. Voilà. Ça peut être un outil supplémentaire, ça peut être un outil intéressant, mais ça ne peut en aucun cas remplacer des connaissances, des compétences beaucoup plus globales. Voilà, moi, la théorie polyvagale et les techniques qui vont avec, ça va faire l'objet de deux masterclass chez moi. Okay, une masterclass, c'est 3 heures. Et la vérité, on n'a pas besoin de plus et comprendre la théorie et utiliser les outils qui marchent et qui ont été validés pour le coup, eux, au niveau scientifique. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont vous dire ça repose sur la théorie polyvagale. Ils ont une espèce de recyclage de certaines méthodes de yoga hindou et ils vous appellent ça la théorie polyvagale. Rien à voir. Donc il faut faire attention avec ce qui se passe sur le marché avec ça. Et voilà. Soyons vigilants. Voilà. Alors la question c'était comment aider une personne au début d'Alzheimer. D'abord, est-ce que j'ai été clair ce soir sur ce que je dis? Parce que j'ai mon écran qui me cache une partie. Oui, bien sûr que ça existe les victimes. Il y a des vraies victimes et il faut vraiment apprendre à les protéger. Le problème aussi, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se font passer pour des vraies victimes et qui sont des fausses victimes et qui, du coup, empêchent les vraies victimes de se reconnaître ou de dire les choses. Et ça, c'est dommageable, en fait. Mais bien sûr qu'il y a des vraies victimes. Bien, évidemment. Évidemment. Et de toute façon, vous serez toujours la victime de quelqu'un, hein, en vrai. Soyons clairs aussi avec ça. Ok, vous avez encore du jus, on continue? Le titre du livre, c'est Les premiers survivants d'Alzheimer. Ok. Docteur Dale Bredesen. Je sais pas comment on dit. Il n'est pas américain, lui. Si, professeur de l'Université de Californie, mais je pense que dans un des autres bouquins, il disait qu'il n'était pas américain. Peu importe. Ok. J'ai pas vu ce que vous disiez. C'est bon le livre, tu l'as chopé?
Regarde, Christophe, je te note ta question, ce sera la dernière. Comment changer? Je vais noter toutes les questions. On a décidé de faire ça avec nos équipes parce que on va faire le peut-être dans un des projets des e-books où toutes les questions à lesquelles on n'a pas pu répondre, on y répondrait dans des e-books. Ça pourrait être assez cool. Voilà. Donc, changer d'état émotionnel. Ok, mon chou, on y va. Alors, on y va. Comment aider au tout début d'Alzheimer? Tu as dit tout début, donc on va par exemple partir du tout début. D'accord? Et au passage, le plus tôt ça va être décelé, mieux c'est. Juste une fois encore, dans ma formation, elle dure un an. Et chaque mois, on va avoir des blocs d'apprentissage sur donc la partie coaching pure et un deuxième bloc sur psychologie positive, neurosciences. Les 6 derniers mois sont des. On est sur des neurosciences et plutôt des neurosciences avancées. Et il y en a un. Il y a un programme, il y a une partie dans laquelle je vous apprends à faire des tests, un test spécifique pour voir la qualité de réponse neurologique de votre cerveau. Et en fait, vous allez avoir 3 niveaux. Un niveau où il n'y a aucun risque, un niveau où on commence à voir des choses apparaître, et un troisième niveau dans lequel finalement, il y a déjà quelque part une maladie neurodégénératrice qui commence à s'installer. Et ça, c'est intéressant parce que plus c'est anticipé, plus c'est vu tôt, et plus on peut faire des choses pour le réparer. Et aujourd'hui, il existe des choses vraiment intéressantes. Ne bougez pas. Où est-ce qu'il est celui-là? Ça, c'est un autre bouquin. Je l'ai trouvé super intéressant. Les recherches dedans sont dingues. Et en fait, c'est le lien qu'il y a entre l'Alzheimer et l'odorat. Il faut savoir, par exemple, que quand vous avez un Alzheimer, l'un des premiers sens qui sera touché, c'est l'odorat. Pour un tas de raisons qui sont des raisons logiques, d'un point de vue neurologique, quant à l'atteinte des différentes parties du cerveau qui sont touchées. Et en fait, là, c'est le docteur Jean-Pierre Willem qui écrit ça. C'est super intéressant, c'est très bien documenté, c'est très bien écrit, c'est extrêmement clair. Et ça parle des expériences notamment qui sont faites en Angleterre, où ils utilisent beaucoup l'olfactothérapie dans les maisons de retraite. Alors, il faut s'accrocher un petit peu d'un point de vue médical. Mais ce livre est un vrai kiff, vraiment intéressant. Et je trouve qu'on commence à voir de plus en plus une lecture et une littérature, pardon, vraiment intéressante dans ce domaine. Et du coup, plus c'est décelé tôt une maladie neurodégénératrice, mieux c'est. Parce que parfois, on peut d'abord freiner complètement son développement. Aujourd'hui, on sait. Et on peut, quand c'est pris de bonne heure, carrément même soigner. D'accord? Donc ça, c'est super important. Donc, sachez que au début de la maladie d'Alzheimer, c'est très important justement d'être hyper proactif et d'aider la personne qui va avoir un Alzheimer. OK? Et il y a plein de choses qui peuvent être bénéfiques. D'abord, juste quand même que je vous le dis, c'est que jusqu'à ce jour-là, il n'existe pas de médicamentation en ce qui concerne l'Alzheimer. Okay, ma maman a l'Alzheimer, ma belle-mère elle a un Parkinson. Parkinson se soigne 10 fois mieux qu'Alzheimer. Okay? Alors que. Allez, c'est bon. Donc, d'abord, essayer d'avoir un diagnostic précoce. Okay? Parce que c'est grâce à ce diagnostic que vous allez pouvoir planifier, gérer la maladie, consulter des médecins qui sont de plus en plus spécialisés. En tout cas, en France, on voit une spécialisation, les personnes qui sont de mieux en mieux équipées et ont des protocoles qui sont vraiment de plus en plus intéressants. Et surtout, en fait, on va pouvoir
commencer à anticiper les premiers signes de perte de la mémoire et de la confusion. Ok? Il y a deux choses qui vont être essentiellement touchées au départ. C'est la mémoire spatiale. Donc, la personne a du mal à reconnaître les lieux dans lesquels elle est. Et la confusion mentale qui est liée à la démyélinisation. Okay? Quand vous avez votre système neuronal, on prend un neurone, on a un axone. Okay? Ici, on a des dendrites qui vont mettre en place tout le passage synaptique et il va y avoir un influx électrique et chimique qui passe à travers tout ça. Et l'axone, il est entouré d'une gaine de protection qu'on appelle la myéline. Okay? Et cette myéline, la démyélinisation, c'est comme si, par exemple, bah, vous passez de l'électricité à travers un câble, puis il y a une gaine plastique autour, et puis la gaine, elle est endommagée. Donc, vous allez avoir une déperdition d'électricité, ou si on mettait de l'eau à l'intérieur, par exemple, d'un tuyau, s'il y a des trous, et ben, en fait, la pression qui va sortir à l'extérieur du tuyau sera beaucoup moins forte, et parfois pas assez forte, peut-être, pour nettoyer les choses qu'on devrait nettoyer, ou envoyer des informations. C'est exactement la même chose avec la démyélinisation. Donc ça va pour conséquence des problèmes de mémoire et des problèmes de confusion. Après, une fois que le diagnostic il est fait, il faut que vous ayez une vraie gestion médicale. D'accord ? Travaillez avec des professionnels de la santé et regardez avec eux toutes les options de traitement. Alors, on va vous proposer par nature des traitements médicamenteux, okay ? Des traitements qui peuvent aider justement à ralentir la progression de la maladie et à gérer les symptômes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, soyons très honnêtes, ce qui est proposé sur le marché, c'est une daube en barre. Les effets secondaires sont parfois plus néfastes que le médicament lui-même. Alors, on peut avoir un ralentissement sur certaines personnes, mais il existe des protocoles aujourd'hui qui sont des protocoles qui n'intéressent absolument pas la pharmacologie parce que ça leur rapporte pas trop d'argent, mais qui pourtant ont une réduction d'Alzheimer qui est plutôt intéressante. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à mettre en place plein de portes ouvertes pour aller chercher des informations un petit peu partout. D'accord ? Si demain la science proposait une médicamentation qui permette ou de ralentir ou d'éliminer l'Alzheimer, je dirais, vas-y, on se pose pas de questions. D'accord ? Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Et des différentes personnes que j'ai pu voir, et j'en ai vu plusieurs autour de moi, directement, touchées par la maladie, et autant vous dire que les médicaments ne font pas de bien. Parfois, ça peut ralentir, certainement peut-être un peu la progression. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai vu opérer dans mes expériences personnelles. Et ce n'est pas les retours que j'ai eu des personnes et des groupes avec lesquels j'ai pu échanger autour de cette maladie. D'accord ? Donc, autre chose, quand une personne va avoir un Alzheimer, c'est clair qu'à un moment donné, on va se poser des questions de sécurité. D'accord ? Donc, assurez-vous que son environnement, il soit sécure et qu'il soit stable. D'accord ? Donc, il doit y avoir une présence à la maison en permanence. Okay. Sinon, la personne est concrètement en danger. Et assurez-vous d'éliminer au maximum les risques de chute. Okay. Et s'il y a des zones dans l'appartement qui peuvent être problématiques, parce que comme il va y avoir aussi un problème avec la motricité à terme, les personnes qui ont des Alzheimer tombent assez facilement. Les parkinsoniens d'ailleurs aussi. D'accord ? Donc, essayez d'anticiper si jamais la personne, elle devait... Alors, par exemple, vous ne vous rendez pas compte quand vous changez de revêtement de sol avec vos pieds, okay, ou même avec des chaussures, votre cerveau, quand vous juste vous changez de sol, d'accord ? Par exemple, vous passez d'un carrelage à de la moquette, vous devez savoir qu'à ce moment-là, dans le passage, pour que le cerveau adapte sa pression, sa marche, vous allez... connecter plus de 250 millions de neurones à la seconde. D'accord ? Juste pour ce petit exercice-là. C'est énormissime. C'est énormissime. D'accord ? Maintenant, si les fonctions cérébrales sont amoindries, comme celle l'est dans l'Alzheimer, le passage, par exemple,
de la moquette au carrelage, le cerveau ne va pas pouvoir l'anticiper et le considérer. Donc, vous devez considérer que ce genre de passage peut être un passage de chute et un passage dangereux. D'accord? Après, aider tout le temps les personnes à avoir des routines quotidiennes. Okay? C'est ça qui va les aider à réduire justement les confusions et l'angoisse. Par exemple, faites-les toujours manger à heure fixe. D'accord? Donnez toujours les médicaments à heure fixe. Et faites-les coucher à heure fixe. Parce que ça, en fait, ça rythme certaines formes de routine et ça empêche, en tout cas, ça ralentit une partie de la dégénérescence. Et puis après, stimuler le plus possible leur cerveau. D'accord? Donc, on les encourage à faire des activités qui stimulent l'esprit et des choses qui vont faire travailler différentes parties du cerveau. Les puzzles, les jeux de mémoire, la lecture, les arts. Par exemple, j'ai lu une étude très intéressante. Et pour ça, ça m'a valu de me prendre la tête pendant un mois. Écoutez-moi bien. J'ai lu des études très intéressantes sur les jeux électroniques. Et ma mère, quand on était plus jeune, vous vous rappelez des Game Boy? Ma mère, elle était fan de Game Boy, elle était fan de Tetris. Elle jouait pendant des heures à Tetris. Elle était vraiment... Et quand elle avait la fusée, elle était très contente. Pour ceux qui ont la référence, ça veut dire que vous avez plus de 45 ans. Ok. Et quand j'avais lu cette étude, je me suis dit, j'ai retrouvé un Game Boy. J'ai payé une fortune, un Game Boy avec Tetris qui fonctionnait. Et je l'ai offert à ma mère juste pour qu'elle passe des heures à réfléchir à comment on harmonise les choses, à faire jouer un petit peu sa cognition et qu'elle prenne aussi du plaisir. D'accord? Il y a aussi des choses que j'ai faites. Quand j'étais plus jeune, j'étais fan de bonsaï, passionné par ça. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de payer une partie de mes études. Et j'en avais laissé deux chez ma mère. Et à un moment donné, c'est un autre pote à moi qui s'en occupait. J'ai récupéré les bonsaïs. Et je dis à ma mère, voilà, maintenant, tu as la charge de mes bonsaïs. Et ils ont un petit nom chacun. Et elle sait que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et donc, de s'occuper, de lui donner une occupation, c'était pour moi essentiel. Donc, je lui ai offert des livres sur le bonsaï. Je lui ai appris des choses. Je lui ai expliqué les techniques de coupe. Et voilà, et avec sa petite voisine qui est pharmacienne, et bien maintenant elle s'amuse à toutes les deux à travailler mes bonsaïs une fois par semaine. Et ça c'est super. Donc donnons des activités qui vont leur permettre de faire des choses. Autre chose, de l'activité physique. Okay, l'exercice régulier, ça va vraiment améliorer la santé d'abord en général. Okay, mais il y a certaines études qui disent que ça pourrait vraiment ralentir la détérioration cognitive d'une personne qui a un Alzheimer. D'accord? Donc, franchement, bon, la plupart du temps, même si les choses tentent à se réduire de plus en plus, les Alzheimer sont plutôt déclarés relativement tard maintenant, même si on commence à avoir des Alzheimer à 40 ans maintenant aussi, c'est pas rare. Bon, c'est un autre cas. Je vous recommande par exemple la piscine pour les anciens. Parce qu'il y a, dans une piscine, il n'y a pas de problème articulaire. Ils sont portés. C'est une activité où il faut se déplacer. Une fois qu'ils sont dans l'eau, c'est plutôt sécure. Okay. Et ils sont portés par l'eau. Et ils peuvent faire plus d'exercices dans l'eau. Et je veux juste vous rappeler une chose, c'est que la natation, c'est le sport dans lequel vous suez le plus, logiquement. Vous vous rendez pas compte parce que vous êtes dans l'eau. Mais ça aussi, c'est important. Parce que ça permet aussi de libérer et de détoxiner. Détoxifier, de retirer les toxines du corps. Voilà, en tout cas, ça aide un petit peu plus. Ayez une alimentation très saine, très très saine. Beaucoup plus riche en fruits, en légumes, en graines, okay, en poissons gras, alors, saumon, thon. Moi, une fois encore, je suis un fan des sardines parce que les sardines, c'est blindé d'oméga 3. Mais comme c'est des petits poissons, en fait, les sardines ont beaucoup, beaucoup moins de métaux lourds. Okay. Et beaucoup moins aussi d'antibiotiques. Voilà. Naturellement, ben, on est là, hein. On soutient, on planifie. Faites des planifications de futur, par exemple, dire
Ouais, par exemple, régulièrement, j'ai ma mère, voilà, regarde maman, bientôt c'est Pessard, bientôt il y a les vacances, on va venir te chercher, bientôt c'est Noël, il y a une soirée blanche, pour que ma mère elle puisse se projeter et qu'elle ait le désir d'un avenir futur. En plus, c'est compliqué parce que ma mère, elle a perdu son mari il y a quelques années maintenant, mon papa, et c'était un couple hyper fusionnel. Donc c'est très, 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 très compliqué pour elle de vivre sans lui. Et elle, son souhait le plus grand, c'est de le retrouver le plus rapidement possible. Comprenez bien que c'est pas le nôtre. En revanche, c'est important de lui dire, voilà, on a des échéances, on a des choses, on a des résultats, et ça, c'est super important. Voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre? Allez chercher de l'information. Allez chercher de l'information. Le corps médical ne nous renseigne pas sur ce type de maladie parce que je pense que ça les fait vraiment chier qu'on se renseigne et qu'on puisse avoir des exigences qui sont d'autres que ceux qui veulent nous imposer. D'accord? Donc ça, c'est important. Et pour les personnes qui avancent dans l'Alzheimer, assurez-vous de réduire les zones de stress aussi. Parce que les zones de stress accélèrent le processus. Voilà. Avec tout ça, déjà, vous êtes bien équipé. Regardez-vous. Est-ce que c'est OK pour vous? J'ai été clair? OK. C'était je souffre d'hypersomnie, hein, c'est ça? Ok, alors 16 heures par jour. Ouais, c'est costaud quand même. D'accord. Bon. D'abord, il y a un principe qui est un principe psychologique. On ne s'enferme pas dans l'hypersomnie par hasard. Malheureusement, les personnes qui s'enferment dans l'hypersomnie sont souvent des personnes qui peuvent être dans une connexion avec un trouble dépressif ou une période de déprime. D'accord? Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais par exemple, une personne qui va être dépressive, aujourd'hui, la neuropsychologie nous dit que justement, il faut qu'on réduise le sommeil. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes vont rentrer dans une espèce de monde de protection qui est celui du sommeil, et on va dormir un maximum de temps pour ne pas être en contact avec la réalité. D'accord? Donc, c'est super important de comprendre que l'hypersomnie est un trouble qui est souvent associé au fait de ne pas être en connexion avec la réalité. Et ça, c'est super essentiel d'abord de le reconnaître et d'être OK avec cette dimension-là. D'accord? Ensuite, donc il faut faire un travail qui va être un travail de compréhension de toute cette partie psychologique qui rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Ou les différents conseils que je peux donner sur ma chaîne. Maintenant, indépendamment de tout ce travail thérapeutique, psychologique ou de coaching que tu pourrais faire, c'est important de reprendre une bonne hygiène de sommeil. D'accord? Et une bonne hygiène de sommeil, ça veut dire quoi? Un, on respecte les horaires de sommeil. Il faut que ça soit régulier. D'accord? On se couche et on se lève à la même heure, tous les jours. Écoutez-moi bien, même les week-ends. Parfois, il y en a qui veulent faire des grasses mats. Sachez que on a découvert que la grasse mat qu'on faisait le samedi ou le dimanche, c'est celle qui nous mettait dans un état dépressif le dimanche soir. D'accord? Il y a des liens et il y a beaucoup d'études là-dessus. Une grasse mat, si vous devez en faire une, ça ne doit jamais dépasser plus d'une heure de la somme de sommeil que vous avez l'habitude de prendre. D'accord? Maintenant, si vous avez des problèmes d'hypersomnie ou même d'insomnie, on se couche à la même heure, on se lève à la même heure, tous les jours et même les week-ends. OK? On s'assure que sa chambre, elle est bien dans le noir, qu'elle est bien au calme, qu'elle est fraîche. Je vous rappelle que la température d'une chambre, elle doit être entre 17 et 19 degrés. Et que naturellement, vous dormez sur un lit confortable. D'accord?
Je vous rappelle que vous utilisez le lit uniquement pour dormir ou pour les activités intimes. On ne travaille pas dans un lit, on ne mange pas dans un lit. Le lit, il doit être vraiment associé au fait que quand j'y vais, ou bien je passe un bon moment avec la personne que j'aime, ou bien je m'endors, mais rien de plus. Il n'y a aucune raison de passer du moment dans ce lit. Même regarder la télé, regardez pas dans votre lit, vous la regardez dans votre salon, mais on regarde pas la télé dans son lit. Un lit n'est pas fait pour... un lit, c'est fait pour dormir ou pour avoir des activités intimes, d'accord ? Autre chose, mettez en place des rituels pour votre sommeil, d'accord ? Par exemple, développez une routine qui va être relaxante avant le coucher. Ça peut être, par exemple, lire un livre, ça peut être prendre un bain, ça peut être pratiquer de la méditation, des étirements, mais attention, on fait des étirements légers, ok ? On ne stresse pas le corps, sinon on va augmenter le taux de cortisol. Et puis quoi vous dire d'autre ? Moi, par exemple, ma routine du soir, je l'adore. Parce que la dernière chose que je vais faire, les deux dernières choses, un, je vais sortir mes chiennes, donc je vais m'aérer. Voilà. Je passe un moment à faire un petit tour de marche avec elle, je les regarde jouer, je joue avec. Je peux éventuellement socialiser avec les personnes du quartier. Ensuite, quand je remonte avec les chiennes, je redescends pour aller nourrir les chats. Parce que ici en Israël, il y a plein de chats de partout. Et ce sont les habitants qui les nourrissent. Ils nous débarrassent des souris ou des choses comme ça. Donc moi, j'ai plein de potes. Ils sont à peu près une douzaine tous les soirs. Moi, j'ai un budget croquettes chat qui est énorme, il faut que vous le sachiez. Donc je redescends, je vais nourrir tous mes petits chats. Et je remonte et je bouquine. Voilà, je vais lire à peu près une heure le soir avant de m'endormir. Et je m'endors sur un livre. Voilà, ça, c'est ma routine. Et à bien aérer votre chambre aussi. Ça, c'est super important. Renouveler l'air d'une chambre. Donc, avant de vous endormir, on renouvelle l'heure. On évite aussi les stimulants, d'accord ? Les caféines, l'alcool, surtout dans les heures qui précèdent le coucher, c'est pas bon. On évite aussi des gros repas et de boire trop le soir. Alors, buvez parce que vous avez soif, mais on évite de boire pour boire, quoi. Tu vois. Si vous avez une activité physique, eh ben vous avez une activité physique au moins 3 ou 4 heures avant de l'endormissement, d'accord ? Mais vous ne faites jamais le sport avant de vous coucher, parce que ça, pour le coup, c'est un stimulant, ok ? Si vous en avez la chance de vivre dans un lieu qui le permet, exposez-vous à la lumière naturelle pendant la journée, parce que la lumière, au-delà de vous apporter de la vitamine D dont vous avez tous besoin, dont nous avons tous besoin, même ici en Israël, l'exposition parfois n'est pas suffisante, okay, parce qu'il peut aussi y avoir des problèmes de pollution qui filtrent les UV. Donc aujourd'hui, on sait que la synthétisation de la vitamine D, elle est beaucoup moins facile que les années de nos parents. En tout cas, l'exposition à la lumière, c'est ce qui va aider aussi le rythme à mettre en œuvre votre rythme circadien, d'accord ? Donc naturellement, on réduit l'exposition à la lumière bleue, vous savez, tous nos écrans, hein, le soir, parce que ça nous empêche profondément de dormir. Okay, et ça bloque la métabolisation de la mélatonine. Donc, okay. Si vous l'êtes, faites un travail sur le contrôle du stress à travers de la relaxation. Okay. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 2 heures avant le coucher, on peut mettre en place une technique de relaxation. La respiration profonde, du yoga, la cohérence cardiaque, c'est le top du top pour ça. Okay, parce qu'on va... Sachez une chose, c'est que vers 18h le soir, votre corps il va basculer pendant toute la soirée du système nerveux sympathique qui accélère à parasympathique. D'accord ? Ça demande beaucoup d'énergie pour le corps. C'est ce qui parfois permet l'excitation. Donc, si vous avez un outil qui permet justement de favoriser et d'utiliser le nerf vague pour le coup, de favoriser la stimulation du système parasympathique comme le fait la cohérence cardiaque, vous ne posez pas de questions, vous le faites et ça marche super bien. D'accord ? Et puis, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour gérer votre stress au quotidien. Okay ? On sait que par exemple, il y a une chose qui peut vraiment aider. C'est un exercice qui est tout con, mais en fait, la plupart des personnes ne le font pas. Programmez votre journée du lendemain à la veille. C'est-à-dire que quand j'ai terminé mon boulot,
Je sais exactement ce que je vais faire demain. Je l'ai écrit, je vois là mes tâches prioritaires, voilà les choses que je dois faire impérativement demain. Parce que si vous ne les jetez pas, ok, sur le papier, vous avez à l'esprit, et en fait, vous allez activer votre niveau de vigilance pour ne pas l'oublier. D'accord? Donc, sachez qu'à un moment donné, c'est important de dire à mon cerveau, ok, je sais ce que j'ai à faire demain, donc ne te prends pas la tête ce soir, on passe à autre chose, ce soir, on se détend. Ok? Et ça, vous pourrez le faire si vous avez délesté votre esprit sur un morceau de papier. Et ça marche très bien. Donc les personnes qui ont du mal avec le stress ou qui ont la tête qui rumine, je vous recommande de faire ce genre de choses. L'environnement de sommeil aussi, il est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un très bon matelas et des oreillers confortables. Investissez dans un bon matelas, c'est super important. Je me rappelle, moi, mon frère jumeau, il allait se faire opérer pour le dos, et un week-end, on est allé dormir avec chez lui, il nous a laissé son lit. Et j'ai dit, Jérôme, je t'explique. Plus jamais je dors dans ta chambre, mais plus jamais. Une nuit, je suis fracassé, mais comment tu fais pour dormir tous les jours là-dedans? Il m'a dit, non, je l'aime bien, il est moelleux. Non, tu t'es habitué, mais ton lit, il est en train de te fracasser le dos. Je t'en supplie, change ta literie, quoi. Il a changé la literie, ça lui a évité des opérations, il a retrouvé une vie normale. Okay? Donc, voilà. Il y a aussi certaines personnes qui ont du mal avec le bruit. Okay? Moi, je suis dans un environnement ici où parfois c'est compliqué. Alors, je déteste les bouchons d'oreille, parce que j'aime pas entendre mon corps à l'intérieur. Mais assurez-vous d'être dans un endroit qui n'est pas bruyant. Okay? Voilà. J'ai des chacals à côté qui hurlent la nuit comme des loups. Parfois, ça me dérange un peu. Donc, il faut faire attention. Voilà, et assurez-vous ou bien vous faites ça, ou bien parfois il y a des appareils qui sont pas mal et qui donnent aussi un bruit blanc. Okay? Si le bruit c'est un problème, le bruit blanc en fait c'est un espèce de bruit de fond qui attire votre attention et qui permet de réduire le seuil de vigilance. D'accord? Si vous n'arrivez pas à vous endormir après 20 minutes, vous vous levez, vous faites quelque chose de relaxant jusqu'à ce que vous sentiez à nouveau le sommeil arriver. D'accord? Mais on ne reste pas à tourner dans son lit, ça sert à rien. Et puis si vraiment, vraiment, vraiment vous avez des grandes difficultés, je vous invite à tenir un journal du sommeil, ok? Et ça, c'est super important. Voilà. Je prends une dernière question. Ok. Alors, la formation de coach, la prochaine formation de coach, c'est le 15 avril. C'est le 15 avril. Après, nous allons augmenter le tarif parce qu'en fait, on a doublé la formation avant. La formation était sur 6 mois, maintenant elle est sur 1 an. Et l'accompagnement, maintenant, il est sur 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on va prendre la personne du début jusqu'à la mise en place et sur orbite de son projet avec des masterclass, avec des choses comme ça. Et le but, c'est que la première année, bon, on vous amène à être des hyper professionnels et à préparer tout un plan de travail pour vous installer. Et la deuxième année, littéralement, on vous accompagne sur votre développement et sur le renforcement de la professionnalisation et puis sur le développement de votre business pendant 1 an. Le but, c'est que vraiment, en 2 ans, vous avez mis en place une transition, vous pouvez vraiment bien gagner votre vie. Voilà mes petits choux. Je suis désolé, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Je pourrais rester des heures, mais après, ça va faire un petit peu long et j'ai promis que je ne dépasserai pas 1 heure et demie, mais j'ai déjà dépassé de 10 minutes. Donc, si vous le voulez, la semaine prochaine, on se retrouve. On se retrouve ici et je répondrai encore à des questions voilà, sur la formation ou sur tout ce que vous voulez. En tout cas, merci de votre participation. Merci pour toutes les questions. Et voilà. Et je vous aime. OK? Pourquoi tu t'adresses à moi? Parce que nous avons une non-répondue. Je comprends pas. Ok. Ok, mes petits choux. Bon, en tout cas, merci pour tout. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très, très, très bonne semaine. Je vous tiendrai au courant aussi pour le podcast qui va être vraiment intéressant. Parce que ça vous permet, pour ceux qui sont dans la voiture ou dans la journée, pouvoir écouter des choses, je l'espère, intéressantes. Et sachez qu'on a plein, plein, plein de projets en cours. Très prochainement, donc, la formation de coach. Et puis, je vous prépare aussi une très, très belle formation sur
le shadow working, le shadow work, c'est un truc de dingue. Si vous voulez vraiment apprendre à vous connaître, à vous découvrir et à vous débarrasser de ce qui vous empêche de réussir et ce qui vous sabote, parce qu'on sabote tous d'une certaine façon, et ben, c'est fait pour ça. Voilà. Je vous aime, prenez bien soin de vous et merci, merci d'être dans ma vie. Voilà. C'est hyper encourageant. Je vais soigner mon rhume. Prenez bien soin de vous. Merci à tous. Bonsoir et merci d'être avec moi un dimanche soir. C'est cool. J'adore. Merci Petroni, merci tout le monde. À très bientôt. Bye bye. Shavua Tov. Bye bye à tous. Prenez bien soin de vous. Merci à vous pour la soirée. Merci.